aussi les choses avec nos voisins. Commerçant, surtout en tant que restaurateur, on est vraiment dans le flou. C'est assez compliqué, on a beaucoup de choses à payer et surtout l'avenir. I'm very, very, very nervous about what's going to happen. This is the time of the year we start working, where we start putting some cash on the side for winter, and we haven't done it this year. It's going to be difficult. Et aujourd'hui au travail, comme tous les matins, on fait ce qu'on peut. Voilà, on va y arriver. And what's your priority right now? Probably getting, well, not being ill for a start. Secondly, my staff, so they still have jobs. And thirdly, that my business survives. So it's not really that complicated. Worried, basically. Just a bit worried, because I think it's all mouthy and nothing's happening. So it's all promises that are empty, and it's like, deal with your shit, and that's it. So. Sister, don't you get you worried, your work is almost... Rien, fermé, pas de chiffres, la vente sur internet pour l'enseigne. Les clients achètent sur internet et nous on est en chômage technique. On travaille sur opticienne. On a dû fermer par recommandation, mais on a aussi maintenu un service d'urgence. C'est-à-dire pour dépanner les gens quand les lunettes étaient cassées, ou pour aller livrer les soignants. Et les dépanner dans leurs problèmes quand ils étaient à l'hôpital. Je suis prof de yoga. Depuis le confinement, je donne des cours sur Internet pour essayer de continuer à travailler comme je peux. Le montage, ça prend du temps, mais il faut faire ce qu'on peut pour continuer. Hey, Yoga Vintage. Don't have to get a chance to do this in the Place aux Herbes, who says? Didier, Blanc. Le Covid, c'est... Dans les vignes, tout va bien. La vigne continue à pousser. La nature, elle, se fout du Covid. Par contre, nous languissons le déconfinement pour retrouver notre clientèle et nos amis. Santé. C'est un peu bizarre, mais j'ai les cours en ligne et ça va, j'arrive bien à suivre, mais bien sûr, mes amis me manquent. At the start, it was a bit complicated and like I struggled a bit, but now it's much better. On a de la chance parce qu'on habite dans un village et pas dans une grande ville. Du coup, on va sur beaucoup de balades avec ma sœur et voilà. Du coup, je suis là 7 jours sur 7 et je fais mon devoir. Ça commence à être un problème pour certains produits qui nous manquent de l'étranger, mais on travaille avec du local, donc c'est aussi bien. Ah, ça c'est cool, hein, ton masque. Fait maison ? Fait maison. Comment tu t'appelles ? Dominique. Quel âge ? 78. C'est dur pour l'instant ? Oh, c'est dur, ça va. Mais ça va être encore un peu long, là. Un mois de plus, c'est plus qu'il me fallait. Ton moral, c'est bien ? Le moral est correct, oui. Bonne continuation, hein. Merci. Ciao. Ciao, Dominique. What's not to love about this Lord Vintage camo mask? I love it. Shopping look, 2020, wonderful. Eggs. Ah, j'étais content. Je rentre facile, j'ai fait le cours. Avec le masque, ben ça se passe très très bien. J'aimerais juste que tout le monde arrive à jouer le jeu. Puisque on sait que c'est ça qui va vraiment nous protéger. Mais en tout cas, moi, personnellement, je commence à plus y penser, quoi.
ça se passe bien. Merci beaucoup. Hein. Bon week-end. Bon week-end. Ahmed. Angela. Karine. Eric. Alexandre. Flo. Bonsoir. Anne-Marie. Jean-Claude. Jemima. Annie. Olivier. Mieux manger pour être en bonne santé par rapport au virus et puis par rapport à l'avenir. Je pense que énormément de choses vont changer après ce confinement. Benjamin. Anne. Where did you get that mask from? Lord Vintage. Alexandre. Isabelle. Bénédicte. Ça, c'est chouette, hein? Bon, allez, bonne journée. Hey, ciao. Odile. Bruno. Donc c'est plus compliqué maintenant avec le masque quand tu bosses? Non, c'est pas tellement plus compliqué, on s'y habitue. À force, ça met un peu de temps. Par contre, pour se faire comprendre, ça c'est un peu plus compliqué. Parfois quand on parle aux clients, ils ont du mal à nous comprendre. En plus, comme on a mis des PVC, mais à part ça, on s'y fait, on vit avec. Et puis voilà, il faut faire avec. Par contre, quand il va y avoir des chaleurs cet été, c'est beaucoup moins agréable. Le masque, quand il fait chaud, c'est... Good day. Corinne? Tom. Je m'appelle Caroline. Fred. Cynthia. Sylvain, depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que tu crois c'est le plus important pour réduire le stress? La respiration en premier. Et justement, cette présence dans le corps, ça nous aide à sortir de la tête et de nous ancrer, de nous enraciner. Lockdown yoga. Qu'est-ce que tu fais? Je suis partie faire une corbeille de fruits pour les pompiers du Zest. Ah, super. Profite bien, hein? Bye. Any class song about the confinement? The Place of Zest is empty. We can do frisbee on the Place of Zest. That's the only plus, buddy side. Vera, avec les petits morceaux de dents qui sont bien dégueulasses. For us it's another, I said it's another one in me too, I'm rubbing. Yeah, day was a Friday the... Friday's rosé day. Oh yeah. Alessante. Cool. Cheers. Ça va? Très bien, et toi? Ça passe bien le confinement? Écoute, oui, hein. Un peu dur comme tout le monde, mais écoute, ça va. Oh, ça a été très dur pour moi. J'étais seule dans mon appartement avec mes chiens. Ça a été très pénible psychologiquement. J'ai mes enfants, mais j'ai ma fille qui est enseignante à Paris et mon fils qui est menuisier à Marseille, donc assez loin. Je n'ai pas pu les voir. Bon, je leur téléphonais tous les jours. Mais c'est la solitude qui était dure, ne pas pouvoir voir ses amis, ne pas pouvoir faire un apéro amical, voilà. Le seul problème, c'est la présence des autres.
que j'avais beaucoup de contacts téléphoniques, des amis et tout ça, mais de la famille, mais je me suis rendu compte que la présence était tout à fait autre chose. On a réouvert lundi. Depuis lundi, on est réouvert, on ferme à 18h le soir. Et à partir de la semaine prochaine, à partir du 11, on reprend nos horaires classiques. Et c'est surtout de revoir les gens, d'avoir ce contact humain avec les gens. Nathalie. Je fais des mèches et je redeviens un peu blonde parce que là c'était un peu la catastrophe. C'est un gloss. C'est comme le rouge à lèvres. Ça bouge ? Ça marche ? Ça va, ça se passe bien, écoute, on essaye, on fait le maximum. Donc ça c'est quoi ? Quel vin ? This is it.